Eh bien, salut tout le monde, c'est Superlé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Tuto Express. Donc, aujourd'hui, l'épisode va porter sur les portes à pistons cachées. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai un mur plat, sans rien. Et en fait, si j'active le levier, et ben voilà, ça active ceci et cela. Voilà. Donc, pour faire ces portes-là, vous aurez besoin de 4 redstone, un repeater, 6 sticky pistons et quelques blocs de quartz. Bon, là c'est 8. Et pour l'autre, bah, c'est le double. Donc, en fait, il faut répéter de toute façon toujours le même système. Vous placez vos blocs comme ceci. Voilà. Vous mettez les 6 blocs là. Là, vous mettez un repeater sur 4 ticks, là, de la redstone. Et si on met un levier que je vais aller chercher tout de suite, et ben voilà, ça fonctionne. Voilà, maintenant, donc en disant qu'il y a un mur qui est devant, hein, comme ça. Et maintenant, ici, bah, vous avez besoin du double de ressources. Et là, vous mettez vos sticky pistons. Tac, 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 tac. Là, vous placez ceci. Voilà. Voilà. Là, vous placez votre super toit. Voilà. Vous placez de la redstone comme ceci. Hop. Là, vous mettez un repeater sur 4 sur 4 ticks, oui. Et un repeater sur 4 ticks. Et là, si vous activez le système. Oups. Je suis trop défait aujourd'hui. Et bah. Hop. Et voilà. Donc, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce système-ci. Alors, regardez. Hop. Et en fait, les pistons disparaissent. Regardez bien. Voilà, les pistons reviennent en haut. Donc, pour ça, on va passer au tutoriel. Allez, on y va. Et bien voilà, on va commencer le tutoriel de cette superbe porte. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 11 sticky pistons, enfin pour cette porte, hein, 11 sticky pistons, 2 pistons régulars, un bloc de redstone, 20 poudres de redstone, 5 repeaters et 41 blocs de votre choix. Donc on va prendre tous ces blocs. Voilà. Et maintenant, on va commencer. Donc déjà, avant de tout faire, vous allez péter ça et mettre ceci. Donc les blocs de les pistons collants, donc ici. Donc votre mur, ce sera cela. Et comme ça, en fait, là, ça remontera ici. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le système qui fait que il y a les blocs qui remontent. Et voilà. Donc là, vous avez des pistons qui sont en dessous ici. Et là, hop. Vous allez placer, hop, vous allez placer des sticky pistons comme ceci. Voilà, et vous allez reboucher. Voilà, une fois que vous avez fait ça, en haut, vous allez placer un sticky piston comme ceci et un sticky piston comme ceci. Voilà, donc tout est symétrique, hein. Enfin, en haut en tout cas. Après, hop, vous allez mettre ça comme ça pour vous aider à placer un sticky piston qui pointe vers le bas ici et ici aussi. Voilà. Après, vous faites un L avec vos blocs. Voilà. Vous placez votre redstone comme ceci et comme ceci. Vous mettez un repeater sur deux ticks. Un autre repeater sur deux ticks, placez deux blocs comme ceci et vous mettez de la redstone. Voilà, donc déjà le haut c'est fait. On va placer un levier pour tout à l'heure. On va le mettre ici. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur le côté gauche de votre porte et juste en dessous de ce piston là, vous allez mettre un sticky piston avec un bloc de redstone. Et à cet endroit-là, vous allez mettre un bloc en bas, enfin deux blocs autour des
piston collant qu'il y a en dessous. Donc ici vous allez mettre de la redstone, ici aussi, et vous allez faire passer tout le fil de redstone en dessous, voilà, comme ça si, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un bloc là, placer votre régular piston ici, qui pointe vers le haut. Vous allez enlever le bloc en dessous. Là, vous allez mettre un bloc pour placer le régular piston. Donc, on va enlever le bloc, hop, voilà. Et on enlève le bloc qu'il y a en dessous. Là, vous mettez un répéteur, tous les deux sur un tick, ou relié avec de la redstone, hop, et ici aussi. Et là, vous placez un répéteur sur trois ticks. Et normalement, si on ferme la porte, cela fonctionne. Donc, il y a un moyen de faire aller un peu plus vite, faut que la porte aille un peu plus vite dans son ouverture, c'est de mettre ça sur deux ticks, ce répéteur. Celui qui était sur 3, bah, vous le mettez sur 2, et là, ça va un peu plus vite. Donc voilà, c'était Super Léo. On se retrouve pour un futur épisode de Tuto Express. Allez, ciao tout le monde!